بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه أو فلجوا خني الله سبحانه وتعالى Donc, le chapitre qui suit, qui est La langue peut commettre la fornication. On trouve cela dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Abbas, qui dit Je n'ai jamais vu de définition du terme l'amam c'est dans le verset, c'est-à-dire dans le sens faute légère, petit péché. Plus proche que ce qu'a rapporté Abu anhu au sujet du prophète salatu salam, qui a dit « Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication qu'il atteindra sans pouvoir s'y soustraire. La fornication de l'œil et le regard, celle de la langue et la parole, les règles de bienséance, de la langue sont nombreuses et donc beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet. Un poète disait, Ne vois-tu pas que la clé de l'âme est la parole et que celle-ci en divulgue le contenu par le biais de la bouche On peut émettre envers un homme qui se tait une appréciation qui sera confirmée infirmer dès qu'il prendra la parole la langue et le cœur représentent les deux moitiés de l'âme sans eux l'homme n'est qu'un assemblage de chair et de sang donc nous ne pouvons qu'implorer Allah jalalou pour qu'il corrige les propos tenus par nos langues et à ce sujet le prophète, alayhi salat salam, invoqué Allah en ces termes, dans le sens, « Oh Allah, corrige les propos tenus par ma langue. » Invocation que l'on peut trouver dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud d'après Ibn Abbas, le prophète, salat salam, a enseigné à un de ses compagnons de dire, « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le mal de mon ouïe, de ma vue, de ma langue, de mon cœur et de ma semence. Et bien que le prophète se soit adressé à ce compagnon en particulier, cela aussi s'adresse à toute la communauté, comme cela a été établi dans les règles fondamentales de la jurisprudence. Un poète a dit « Préserve ta langue, ô être humain, afin qu'elle ne te morde pas, car c'est un serpent. » Combien aujourd'hui sont dans leur tombe, victimes de ce que leur langue a proféré, alors que de leurs vivants, les téméraires craignaient de les rencontrer Parole prononcée par la bouche est écrite par les deux anges dont c'est la mission. Dans le sens du verset, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc beaucoup de femmes de nos jours laissent leur langue prononcer toutes sortes de paroles comme si elles ne savaient pas qu'elles seront rétribuées pour leurs actes et leurs propos en bien ou en mal. al Hakim rapporte d'après Ubad Ibn Samit a. que le prophète sallam, désigna sa bouche et dit il faut garder le silence, sauf pour dire la bonne œuvre, sauf pour dire la bonne parole. Mu'ad demanda au prophète Serons-nous jugés pour ce que nos langues ont prononcé Le prophète salam, frappa alors sa cuisse. Dis que ta mère te perde, ô oh Muad. Qu'est-ce qui précipitera plus les gens en enfer face en avant, si ce n'est les conséquences de ce que leurs langues ont proféré? Il est rapporté aussi dans un hadith quiconque qu croit en Allah et au jour dernier disent du bien ou ils se taisent. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier Disent du bien ou se taisent en se préservant ainsi de dire du mal. Ayez de bonnes paroles et vous serez récompensés. Taisez-vous au lieu de dire du mal et vous serez préservés. Car ibn lui fasse miséricorde, a dit, quiconque considère que ses paroles font partie de ses actes ne parlera que de sujets présentant un intérêt pour lui. Que celle qui a rempli son registre de biens et de bonnes oeuvres se réjouissent. Et malheur à celle qui a rempli son registre de paroles futiles et de mauvaises oeuvres. Le sens du verset, quant à celui à qui on aura remis le livre, en sa main droite, il dira, Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez accompli dans les jours passés. Aussi il est dit dans le sens quant à celui à qui on aura remis le livre, en sa main gauche, il dira ⁇ Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisis-le, saisis-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le très grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu que seuls les fautifs mangeront. Donc, chère sœur, auquel des deux groupes aimerais-tu appartenir Il ne fait pas de doute que tu répondras, je veux faire partie des gens du paradis. Fais donc en sorte que ta langue ne te fasse pas courir à ta perte. Le fait que les actes soient inscrits ne signifie pas que s'ils ne l'avaient pas été, Allah ne l'aurait pas su. En effet, Allahu rien ne l'échappe, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. « Wa la hawla wa la quwwata illa billah »« Subhanaka Allahumma bihamdik »« Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu